On se retrouve un petit peu plus tôt ce soir. 22h56. Très intéressé par de continuer notre walkthrough sur Visage. Beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié la partie d'hier. Hein. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. On a beaucoup galéré sur. Sur les 2 premières heures, hein, soyons francs. Et puis après, ça s'est enchaîné très rapidement et on a réussi à faire, vu qu'on tournait en rond, on se rappelait de d'où se trouvaient les pièces et très rapidement, on a pu enchaîner l'énigme avec les tableaux. Il nous reste quand même l'énigme avec les horloges à faire. En revoyant la VOD, j'ai vu que la boule de cristal, très rapidement, très succinctement, c'était écrit qu'on pouvait la briser avec le maillet. En regardant la vidéo, très rapidement, je suis revenu en arrière. Putain, c'était marqué, cette boule de cristal. Ben, je vais l'inspecter à nouveau, vous allez voir. C'est écrit. Parce que j'ai regardé la VOD pour voir si le son était pas trop mal. Et puis au niveau de la synchro labiale aussi. Bon, normalement, j'espère que le fond vert va pas trop déconner. Je vais allumer cette petite lampe-là. Normalement, on devrait être pas trop mal. Voilà, donc souvenons-nous, nous étions ici, on a eu la chance d'avoir comment on appelle ça, la perfusion, la poche de perfusion, et là il y avait un vieux, il nous a donné un jouet de bébé, sachant que on a 2 jouets de bébé, et ça c'est une boule de cristal, alors voilà, examinez, je crois que c'est ça. Non, pas du tout. Je vais avoir toujours un mal de fou, hein. Non, c'est pas ça. C'est carré. Voilà. Et là, regardez, il devrait y avoir quelque chose au garage pour vous aider à briser ceci. Alors, nous, on n'est pas idiots. Qu'est-ce qu'on sait? Hein? Qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'au garage, il y avait le maillet. Donc, on va pouvoir. Faut qu'on retrouve le maillet. Et le maillet, il est où? Je vous le donne en mille. Le maillet se trouve. Le maillet se trouve eh ben là où nos objets quand on sort du monde éthéré, enfin à travers les miroirs, tous nos objets essentiels se retrouvent dans l'espèce de hub là où il y a la vieille qui nous dit de. Que, comment elle nous dit? Elle nous dit Bring me my child. Je vous le fais bien. Bring me my child. Enfin bon, voilà, vous avez compris. Elle nous demande de ramener le gamin, quoi. Donc là, on va presser un peu le pas. On va remonter. Et puis aussi, voilà, il fallait qu'on rallume le compteur. Et en revoyant la VOD, je me suis souvenu où se trouvait ce fameux putain de compteur. Alors, il se trouve pas du tout ici. Il se trouve pas du tout ici. Comment je peux revenir? Attendez. Y a des gens qui se disputent là. Well, who the hell is that guy? It's just the new resident, the crazy one. Yeah, he's nuts. Always on drugs and alcohol. Don't mind him. He's probably out of. Attendez, la baraque nous parle maintenant. Non, mais j'entends quelqu'un respirer là. Anyway, I hear she's been walking around the house completely naked, like a fucking whore. Oh mon dieu. Are you kidding me? What the hell's wrong with this old hag? Will you shut up? I'm trying to get some sleep here. Oh, boo hoo. Big guy needs a sleep. By the way, you guys have been repeating the same walking around naked semi joke for months now. I have some real news for you guys. Excusez-moi pour les sous-titres, ils sont très petits, hein. What's that, you twat? You're stuck with me. Don't you remember? I think if you'd had some news, I'd have heard it along with you. Yeah, right. You're sleeping 16 hours a day. My sources whisper me some great stuff. Your source is my ass. You're talking about that broom. You can't trust a broom, I tell you. Oh, quit your whining, big guy. Let us hear about the news. I heard. And saddle up. It's big news.
I heard that the old woman murdered her husband in cold blood. Not only that, but I heard that she plunged 7 knives in his chest and that he's sitting dead in his study room. How crazy is that? Ok, 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 on se casse. On en a assez entendu. Bon, ambiance, hein. On en a assez entendu. Bon, j'espère que la synchro labiale est meilleure. Hein. J'ai essayé de retravailler ça. En fait, ça merdait hein, quand même encore hier. Et puis bon, pour le fond vert, bon, j'ai essayé de faire au mieux là. Normalement, là, on s'approche de... Ah bah c'est bon, là, la porte s'est ouverte. On se rapproche d'un stream de qualité là. Ah. Je me donne du mal pour vous, hein. Faut que vous le sachiez. Vous le saviez, mais j'aime bien vous le redire. Bon, alors, là, normalement, le maillet doit être de retour. Ah non. Non, parce que c'est pas cette salle-là. Comment on retourne... Bring me my child. Bring me my child. Ouais. On va faire ça, madame. On va faire ça. Je tiens à remercier Nick Taras qui m'a laissé un message sur YouTube en me suggérant d'arrêter de porter tout le temps le maillet qui me sert pratiquement jamais et d'avoir toujours une boîte de médoc et le briquet dans une des deux mains. Très très bonne, très très bon conseil. Alors attendez, comment je veux retourner. Déjà, je veux tout réallumer. Ah voilà, bah déjà c'est ici. Bon, ça c'est très bien. En aucun effet, les disjoncteurs ont peut-être sauté dans le local électrique. Oui, il faut qu'on retourne. Oh, le tableau s'est pété la gueule. Ok. Alors ici, normalement. Mais normalement, on récupérait les objets. Il nous avait dit dans le local. Ah, c'était pas ici. On n'a pas de bougie ? Ouais, que dalle. Bon, l'objectif, c'est de remettre le courant. Hein ? L'objectif. On est bien d'accord. De cette VOD, là, déjà. On va essayer de pas perdre de temps. On a perdu 2 heures hier. Hein. Mais les gens qui ont été les plus chanceux, enfin pas les plus chanceux, mais les plus tenaces, ont été récompensés puisqu'on a eu, après une succession de victoires, hein, je vous rappelle ce trophée, enfin ce fait de guerre d'avoir fait l'énigme des tableaux très très rapidement. Hein. On va pas tout de suite faire ça. Là, non, non, là c'est par où on vient. On va plutôt aller par là. J'aimerais bien quand même... Attends. J'aimerais bien retrouver le maillet parce que le maillet nous permettrait de briser la... Oh, putain, j'ai peur. Oh la vache. Putain, la vache. Non, je m'en fous et j'ai fait tomber la bougie comme un con, bien sûr. Parce que je stresse. On prend un petit médoc. Mais éteins ce briquet, mon dieu. Alors, on prend la bougie. On va la mettre là pour plus tard. Hein, on va essayer d'être où on peut la mettre. Il y avait bien un endroit pour mettre la bougie. Non? On l'a juste ramassée et puis... Ok, bon. Donc, on déconne pas. On n'a toujours pas de cassette vidéo, on n'a pas de vinyle.
Comment on retourne déjà? Merde, là on a fait le tour. Hein. Là on a fait le tour, ça va pas. Comment on a fait déjà pour retourner? Non, là ça nous ramène. Je suis même pas sûr, attendez. Non mais je veux pas. Interagir. Mais c'est quoi de mon con? Non mais là. Et il veut pas. Ah oui, ça j'ai découvert un truc, c'est quand on appuie deux fois et qu'on recule, on fait un aller-retour. Bon, moi je veux bien, mais là ça me saoule. C'est bien ce bouton-là pour interagir. Attendez. Vous ne pouvez pas l'utiliser ici. Oui, mais je veux le prendre à une. Qu'est-ce qu'il y a? RT ne marche plus? Je peux plus ouvrir de. On va se calmer. Hein? Tout va bien, tout est sous contrôle. Pourquoi? Ah mais voilà, parce que le menu était ouvert. Ah mon dieu. Et maintenant c'est bon. Mais tout à l'heure il y avait pas de menu d'ouvert. Alors je retourne ici tout en sachant que c'est pas là où. Oui non voilà, c'est pas là où je dois aller. Là on en vient. Ce que l'on veut, c'est remettre le compteur. Donc il faut qu'on retraverse la maison. Mais je sais plus comment on faisait. On allait peut-être à l'étage. Bon déjà je fais F5 puisque là sinon on va pas, sans qu'on ait pas à se retaper toute la discussion entre le frigo et... Non là c'est... Voilà on va monter... Ah voilà. Mais non. Ça sert à rien. Non c'est pas là. C'est pas là, on va monter. C'est pareil, ça sert à rien de monter ici. Alors peut-être ouvrir cette porte. Putain, je ne reconnais jamais rien à chaque fois. On peut prendre une ampoule, mais ça sert à rien. C'est quoi ça, c'est un briquet? Putain, faut vraiment être dessus. Hein. C'est pixel perfect là, c'est quoi? Vous le voyez, vous, le réticule? Parce que moi, je le vois pas. Hein. Sans déconner. Ah ouais, là, je le vois. Oh putain. J'ai l'impression que de... Ah voilà, c'est bon. On y arrive. Oh putain, elle est là! Voilà, je me... Non mais ferme-toi s'il te plaît. Déconne pas. Mais je suis revenu. Quoi cette maison du diable? Il faut passer par là. Ah oui. On va se refaire notre petit sprint. J'aime beaucoup ce passage.
Et je sais que vous l'appréciez. Aujourd'hui, je me suis mis en blanc. Je me suis dit que c'était jour de fête. On va se reprendre à Médoc. Il veut pas, hein. Voilà, donc là je sais où... Je sais où est le compteur. Il est là. Enfin non. Non, c'est dans l'autre sens. Il est là. La dernière fois j'ai fait l'erreur de m'arrêter là. Comme un con. Et en fait, regardez, le compteur était là. C'est bon, là, c'est allumé. On peut tout réallumer, là, maintenant. Putain, mais c'est des enfoirés. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? J'ai de la bougie, j'ai du briquet, j'ai du... Pourquoi il veut pas que j'utilise le médoc? Il est vide. Bon, c'est bon, ça devrait nous calmer. Attendez. On retourne à la lumière. On réfléchit. On a rallumé le... On a tout réallumé. Hein? Il faut qu'on retrouve... Il faut qu'on... On peut aller à la chambre. Regardez, je vais le revoir. Il doit y avoir quelque chose au garage pour vous aider à briser ceci. Mais au garage, le truc pour briser ceci, c'était... Mais je reprends des médocs. C'est vraiment trop con. Non, non, mais là, on va pas refaire les mêmes erreurs. Je peux rallumer là les pièces. Ah voilà, ça y est, ça se rallume. La bouteille est vide, il n'y a aucune raison de la garder. Voilà. Alors, la salle de bain, elle est où? Attends, on peut rallumer ça. C'est là. Hein. Putain, mais et le briquet qui veut pas se réteindre. Ah, il faut appuyer deux fois. Bon, ça, on l'a déjà pris en photo. Bon. On se rebarre. Ah, mes amis. Hein? Oui, donc je pense que là, le fond vert est bien. Je pense que le son du jeu est pas mal. Et... Et je pense que la synchro labiale doit pas être trop mal. J'ai essayé de faire un décalage. C'est pas évident quand il y a le jeu qui tourne en même temps. Allez, on a rallumé, ce qui devrait nous faciliter la vie. On va rallumer la petite lampe là. Voilà, on est à la maison là. Hein. Qu'est-ce que je peux me mettre dans l'autre main? Les médocs, hein, évidemment. Je serais tenté de mettre déjà une heure. Non, objectif. Non mais faut pas qu'on se disperse. Premier objectif.
premier objectif, c'est de... C'est de remettre le... Voilà. Est-ce qu'il l'a en main, là? Oui. Ok. Oh putain. Elle est là de plus en plus souvent, j'ai l'impression, hein. Ah, puis la musique. Toujours aussi. Oh la vache, la porte qui se referme. J'ai beau être Non, allez, on se casse. J'ai beau être... Pas moyen de l'ouvrir. Pas ce délire. Oh la vache, la vache, la vache, la vache, j'ai peur. George. George. Non, moi c'est Romain. George. Non, 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 moi c'est Romain. Oh non, 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 non. Vache, la vache, la vache, la vache. C'est chaud, hein. Come here. Oh là là. Oh là 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 là, mais je veux pas rentrer là-dedans. Come here. C'est chaud, hein. Pendant le temps de chargement, je fais abstraction. C'est chaud, hein. Pourquoi j'y étais aussi? Elle me dit comme hier. Moi j'y suis allé. Comme un idiot. J'ai cru bien faire. J'ai cru bien faire. J'en suis pas moins humain, j'ai mes faiblesses. Je me suis dit que bon, qu'on allait débloquer quelque chose. En fait, c'est un truc, on était sûr de mourir, quoi. Oh, bah, j'aurais pu lui laisser en mode parlotte. Lui, il s'en fout, le chien. Du moment qu'il a son flingue dans la bouche, il est content. Quoi, ils nous ont remis là? Mais j'ai fait des sauvegardes. Bon, en même temps, pour le peu qu'on a fait... Pourquoi ils m'ont remis là? J'ai fait des sauvegardes. Oui, j'ai envie de me plaindre là. Du coup, tout... Bah attendez, non, c'est pas normal. Je peux charger une partie. Dernière sauvegarde automatique. Attends, j'ai refait une sauvegarde. Je suis pas fou. Même que je me suis dit, ça m'évitera de me retaper toute la discussion avec le frigo et tout. On est bien d'accord là-dessus. Hein? On est au courant, vous êtes au... Là, là-dessus, on est d'accord, non? Oui, j'ai le Stream Deck. Eh ben oui, bah alors, ça m'amuse d'appuyer sur le bouton. Et vous êtes pas au bout de vos peines. Je vais pour un oui, pour un non, je vais l'utiliser. Ça va être comme ça maintenant. Ah bah non. Il m'a fait ma sauvegarde ici comme un con, donc on recommence. Oh putain. On a pas le pot.
n'a pas le pot. Bon, en même temps, on sait où se trouve tout. Ça va. Il faut se retaper la discute alors. Bon, pour les retardataires, hein, la discute. Well, who the hell is that guy? It's just the new resident. The crazy one. Yeah, he's nuts. Always on drugs and alcohol. Don't mind him. He's probably out of it anyway. Pourquoi les sous-titres sont... He is fucked up anyway. Fuck him. Let's move on. Did you see what the batshit crazy old bitch did yesterday? Oh, I know. I've seen her. Oh, shut up, you cancer-breathing microwave. No one wants to hear it from you or your toasted brain. Hey! Watch her with the toasted remarks. Anyway, I hear she's been walking around the house completely naked. Like a fucking whore! Spécial, hein? What the hell's wrong with this old hag? Will you shut up? I'm trying to get some sleep here. Oh, boo-hoo! Big guy needs to sleep. By the way, you guys have been repeating the same walking around naked semi-joke for months now. I have some real news for you guys. Oh yeah? What's that, you twat? You're stuck with me. Don't you remember? I think if you'd had some news, I'd have heard it along with you. Yeah, right. You're sleeping 16 hours a day. My sources whisper me some great stuff. Your source is my ass. You're talking about that broom. You can't trust a broom, I tell you. Oh, quit your whining, big guy. Let us hear about the news. I heard. And saddle up. It's big news. I heard that the old woman murdered her husband in cold blood. Not only that, but I heard that she plunged 7 knives in his chest and that he's sitting dead in his study room. How crazy is that? Holy fucking shit. I could have told you. That's what that smells. Exactly right. Ah, la sauvegarde est désactivée pour le moment. Sympa. Voilà, sauvegarde rapide en cours. Ça ne l'a pas pris en compte tout à l'heure parce que je devais être en mode... Oula. Non, on rentre plus là, on sait, c'est là où on est mort. Mais c'est là d'où on vient. Putain, je ne sais plus. Oui, mais le... Alors, on sait où se trouve le local électrique. Il est par là. Il m'a dit que dans le garage je pourrais trouver quelque chose, mais le truc que je pouvais trouver c'était Oh putain, regardez ça. Pourquoi je prends pas son médoc? Oh là 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 là. Allez, on se casse. Très mauvaise idée. On se casse. On refait ce qu'on a fait. Malheureusement. Malheureusement, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça n'a pas sauvegardé tout à l'heure. Donc on retourne au local électrique. Et on save.
save déjà ici. Voilà. Donc normalement, si je suis pas trop con, c'est là. Hein. Voilà, on commence à connaître un peu la baraque. Putain, les pas... Enfin, je me demande si c'est les miens ou... Voilà, là c'est bon. Et on fait une sauvegarde. Bon. Voilà. On va reprendre une botte de pilules. On peut allumer ? S'il vous plaît. Marche pas. Les ampoules... Moi je veux bien, mais on en a déjà une. Pff. On va faire les briquets. Hein. Donc là, le truc du local électrique, c'est bon. Là, on est d'accord qu'on peut toujours pas... Merde, j'ai repris une... Je réessaye la clé que j'ai. C'est la clé du garage, évidemment, ça fonctionne pas. Non, j'y vais dans le noir maintenant, j'ai plus peur. Là, on peut... Là, il y a une lampe. Hein. Allez. C'est le perfect. C'est bon. On rallume tout, hein. Faut le faire deux fois. Hein. Donc... il faut qu'on retrouve le maillet. C'était pas ici que les objets revenaient. Il y a un local normalement où... Non, ici c'est fermé. Hein? De quoi? Ok. Putain, la lampe là, allez hop. Compliqué ce jeu hein, quand même. Pas dire mais... Compliqué. Là, on y est déjà monté 1000 fois. Il y a absolument que dalle. Non, ce qu'on veut... En fait, on pourrait déjà mettre une heure. Il nous reste une énigme à faire. C'est ce truc des pendules. Mais il nous manque une... Comment on monte à l'étage? Moi je suis d'avis qu'on se casse. C'est bon là, on a fait le tour. Elle est où la salle d'eau là? Je sais jamais. C'est là. Hein. Voilà. Alors, on repasse par là. On va les mettre les jouets. On va faire petit à petit. Jusqu'au dernier élément. J'espère que vous avez apprécié le son. Ok, donc on est retourné ici. C'est inutile à présent. F5. Donc là, on a remis le courant. On va retourner à l'étage. Maintenant qu'on peut tout allumer. Voilà, on peut tout allumer maintenant.
Normalement, ça c'était la salle où on pouvait récupérer les objets. On a une salle normalement où c'était marqué mon marteau était replacé. C'est spécial ça aussi. Hein. Vous vous souvenez hier. Hein. Ça ressemble à un présentoir, il n'y a rien dessus. Je sais qu'il y a une salle dans ce jeu où on peut récupérer les objets essentiels. Regardez ça. Spécial, hein. Hein, on n'y reste pas longtemps. Hein. Ouais, voilà. On va pas rester longtemps ici. Allez, on retourne. Là, on est déjà venu mille fois. On va retomber sur... non, je veux pas aller là. Non, nous, ce qu'on veut, c'est remonter. On veut remonter à l'étage. Je me reprends une boîte de cacheton ici. Comment on retourne à l'étage? On peut tenter de mettre l'heure. Putain, je me suis repris un cacheton, mais je suis vraiment couillon. Hein. Je suis vraiment couillon. Peut-être que ça va nous ouvrir une des portes. Il est où mon portable? Il y avait une heure, c'était quoi? Regarde vite fait, j'ai fait des photos en fait. Il y en avait une. 3 heures. Attendez. Bon, alors, hop. Voilà, c'est ça. 3 heures. 30-31. Allez. Allez mon coco. Et là il va me faire la petite et pas la grande, tu vois. Non, c'est bon. Non, c'est pas exactement ça. Et l'autre c'est quoi? Quelle heure j'ai là? Putain, j'ai fait des photos mais j'aurais dû les faire encore plus petites. Ah ben elles sont toutes à la même heure. Certainement que la troisième devait l'être aussi. C'est du 3h31. Ah, mais je peux le faire un petit peu comme ça, là, un peu à la dégueu. Allez, allez. 21. Enfin bon, vous avez compris. Il veut pas, hein. Il veut pas exactement se mettre sur... Oui, mais moi, j'ai vu qu'il y avait un motif. C'est les horloges de la maison, non? 3h33 en fait. Ah ben là il est, par contre il est bien sur 3h. C'est curieux. Ah. Ah non mais non, c'est la grande.
perds un peu de temps, mais bon, on va voir. Parce que j'ai fait les photos de loin, alors peut-être que je suis pas exactement en face des trous. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Si j'avance l'heure... On peut revenir en arrière quand je fais ça? Non, évidemment que non. Il doit y avoir un motif. Et là, on a des assiettes. J'imagine que les assiettes doivent montrer quelque chose. Bon, pour l'instant, on laisse tomber ça. Moi, je suis d'avis de laisser tomber ça. Hein, je reviens sur le chat. Je suis d'avis, voilà. Ce que je vous propose, c'est que on laisse tomber ça. Et on retourne sur la chambre des gamins. Du gamin. Et on met les jouets qu'on a trouvés. Alors par contre, je sais plus comment on monte à l'étage. Il y a un escalier là, c'est par là. Mais non, ça c'est l'escalier qui nous mène à la petite... Oui, voilà, ça nous mène ici. On s'en fout de ça. On l'a fait mille fois, ça. On peut le refaire une fois, hein. Les taux, là. Va servir de l'étau? Si. Il veut pas. Oh putain, si. Trop malin. Regardez ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour ceux qui sont restés, c'est cadeau. Ça me fait plaisir. Et voilà. Vous avez trouvé une note aux étranges gribouillages. Je vais me reprendre un coup de médoc. Ça commence à devenir tendu, hein. Comment on monte? Ah voilà, c'est par là. Mais non, c'est par où je suis venu, putain, mais... Putain de baraque. Non, là, surtout pas. Ah, voilà, c'est là. Je prends le briquet. Il est allumé, là, le briquet. Il est resté allumé là-bas. On s'en fout. On se mine. C'est bon. Allez. On met les objets. Il nous en manque combien? Sauvegarde en cours. Ok. On en a mis combien là? Une, deux, trois. Il en manque deux. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on peut... On peut être tranquille. Là, il n'y a pas d'ampoule.
La petite boîte à musique là. Il y a un salon musical sur la boîte, elle est verrouillée. On a pas de clé pour ça? Oh, on a la clé du garage et tout. Putain, c'est cool que j'ai vu ça parce que putain, je l'ai pas vu depuis. Je l'ai pas vu. Hein. J'ai pas fait attention. Bon, il nous en manquera de jouets. Par contre, voilà. Faut qu'on regarde ça. Qu'est-ce que c'est ça? Merde. À la porte qui se trouve. Va te faire foutre, ça. Pardon. Coquine. Elle est vide, ma boîte de médoc, là. Hein. Je peux la balancer, hein. Non, il dit qu'il y en a encore. Alors attendez, on revérifie ça. Lire RB. Ah, oh, putain, ça y est. C'est les heures. Avec la position des trucs. Ok. Sauvegarde. On y retourne. Non, on va se reprendre le briquet. Y a pas de lumière ici. Putain, mais on voit plus mon briquet, hein. Ça c'est fini. On va plus le briquet. Petite sauvegarde. Faut qu'on redescende. Il y a encore un coffre ici aussi. Hein. Je rejette un coup d'œil dans les tiroirs. On n'est jamais trop prudent. Vous avez vu, ça a allumé la chambre. Et mon briquet est resté là, regardez ça. C'est un bug. Non, on descend. Bah, j'ai téléchargé l'early access. Hein. C'était pas forcément la meilleure idée. Je vais reprendre un autre briquet. Voilà. Votre inventaire est plein. Je prends une ampoule. Et puis. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il veut pas le prendre? Droit, placer, prendre. Je comprends rien, maintenant j'ai 4 briquets. Vous ne pouvez pas placer cet objet, il est inutile à présent. Ah ok, donc on s'en débarrasse. Oh là là. Oh et puis ça s'allume, oh putain. Bon allez, allez, ça me gonfle. Qu'est-ce que... Ça m'empêche de réfléchir en plus. Y'a pas une loupiote ici? Bon le jeu tourne bien là. Hein. J'ai tout mis au maximum. Ah, y a une lumière ici. Ah, voilà. Ah, voilà, on est revenu à quelque chose d'un peu plus raisonnable.
Donc, on retrouve. Alors, ici, il est hors de question de rentrer. Voilà, c'était ici. Ok. Alors, on va regarder le papelard. On va regarder le papier. On fait une sauvegarde. Je suis parano. Allez, lire. Il me le met à l'envers exprès pour me faire chier. Hein. Alors, le monsieur, il est sur la gauche. La maman, elle est droite. Et la... On est bien d'accord, hein. Le monsieur a la tête penchée à gauche et la maman, elle a la tête penchée à droite. Ok, donc toi, t'as la tête penchée à gauche, toi, t'as la tête penchée à droite. Ah, il y a eu un déclic, hein. Vous avez entendu? Il a tous ces trucs là qui servent à rien. Ok, bon, ça c'est fait. Bon, il y a petit à petit, mais on va. Alors, après. Les petites horloges. On se remate le truc. Alors, 6 heures. C'est bon ça. Les deux c'était 6 heures, hein, non? Pas, hein. Et celle du milieu c'est autre chose. C'est l'heure du crime. Enfin je veux dire, je te plaisante pas quoi. Allez. Ah non, elle est à l'envers. C'est minuit. Merde, j'ai pas regardé l'autre. C'est pas grave. C'est inversé. Ok, maintenant la grande. Ah, la manette, hein, je vous assure que là, par contre, c'est un petit peu plus fastidieux. Mais bon, on s'adapte, hein. On s'adapte, nous. Hein. On n'a pas peur. On n'a pas peur de s'adapter. Toute notre vie, on s'est adapté. J'ai 41 ans, je me suis adapté toute ma vie. Peur. Pas aujourd'hui que je vais lâcher l'affaire. Ok, on est bien d'accord. Hein. 6h midi. Et là, 3h30. Non, c'est ça. Hein. Donc. S'il veut bien le faire, il va gagner. Allez. Allez. Et là, on est obligé de faire tout un grand tour. Ça va être ça. Hein. C'est imminent, là, hein, notre réussite. On aura perdu un petit peu de temps. Mais vu la partie 3 d'hier... ça aurait été bien quand même. Et voilà. On en a eu deux. De valider. Putain, mais mon briquet ne marche plus maintenant que. Il est resté là-bas. Hein. Il est resté là-bas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ah ça y est. Non, il bug. Change de main. C'est ce qu'on va faire. On va faire une save ici. Et puis on va recharger la save. Il y a le jeu qui bug. Je fais charger partie. Dernière sauvegarde automatique. Je suis désolé. Hein. On se met comme ça, voilà.
Vous avez vu là, j'ai mis un petit peu comme si j'avais été en Corse là, hein, rejoindre mon père. Mon père vit en Corse. J'ai un petit bronzage là, naturel aujourd'hui. J'ai changé un petit peu les paramètres. Oh. J'ai fait mon coquet. Voilà. Vous savez tout. J'ai fait mon coquet. Son coquet parfois. Donc on a eu deux déclics. On a eu bon sur les assiettes. Ah non mais c'est dégueulasse là. C'est pas du tout la dernière sauvegarde automatique que j'ai fait. Alors peut-être qu'il m'a marqué que je pouvais pas. Ça c'est dégueulasse. Putain, j'ai. Est-ce que le briquet fonctionne au moins? Oui. Ah oh, putain, faut le refaire. Bon, heureusement qu'on sait où ça se trouve. Pas ça tous les jours. C'est là où il nous dit qu'on peut pas sauvegarder. Ah, quel enfoiré, il nous a tout remis merdiquement. Ah là, mon dieu, c'est quoi ce jeu? Ah voilà, la sauvegarde est désactivée pour le moment. Alors, on sort. Et on l'a fait là. Non, la sauvegarde est désactivée pour le moment. Mais bon, j'étais obligé, le briquet ne marchait plus. Donc lui, c'était à droite. C'est là qu'on va voir si on a de la mémoire. Elle, c'était à gauche. Voilà. Là, c'était 6 heures. Allez. On va le faire à la souris là en même temps. Si. Oh, c'est magnifique. Vous voyez? On joue à l'utile et à l'agréable. Là, c'était midi. Oh, minuit. À mon avis, c'est plus minuit. Ah, ça va plus vite à la souris, hein. Voilà, et là c'était 3 heures. C'est 3h30, pardon. Ah, ça a plus vite à la souris là. C'est cool qu'il est. Ah, mais merde! Pardon. Allez, la petite. Voilà! Là, on peut sauvegarder. Non, et désactiver. Il faudrait que je lise hein, de temps en temps. Donc là, on a des. Là, on a fait un truc hein, quand même. Hein. Ça a fait clic-clic, hein, deux fois. Hein. Moi, je suis d'avis qu'il y a la pièce. Il y a une pièce où il y a. Vous avez des horloges, il y en a trois. Oui, mais là je suis sous la lumière, là ça va. Voilà, puis je me suis repris un médoc, donc tout va bien. Attends, on peut pas sauvegarder, pourquoi donc? Sauvegarde est désactivée pour le moment. Ah, ça m'arrange pas. Et là, on peut sauvegarder? Non, c'est désactivé pour le moment. Putain. On a mis les jouets. Attendez, il n'y a pas que ça. Ça ouvre la porte. Et alors oui, parce que j'ai pas regardé. Non, putain, de quoi? On va se foutre là. Hein. Là, c'est la safe zone et la seule safe zone, c'est là où il y a la vieille. Alors bravo. Bring me my child. Bring me my child. Ah.
Rendez compte que c'est le seul endroit où qui semble le plus accueillant du jeu. C'est là où il y a la vieille. Donc, là on va pouvoir regarder le dessin calmement. Donc, les trois horloges ouvrent une porte et les deux autres ouvrent deux autres portes. C'est peut-être les portes où il y a des cadenas. En tout cas, on les a ouvertes. On peut sauvegarder ici ? Non, la sauvegarde est désactivée pour le moment. Putain. Un peu emmerdant quand même ça. Alors là-haut, je me souviens qu'il y avait une porte cadenassée. Hein. Elle est ouverte maintenant. Oui, je sais, je reviens toujours au même endroit. Mais ça m'intrigue. Ça allume quoi ça? T'as une que dalle! Est-ce qu'il manque une ampoule? Où aller. Là, je sais que non. On est revenu là où on était, mais putain. Attends, je vais me remettre à la lumière. Sort de faire descendre. Je peux toujours pas sauvegarder? Non, la sauvegarde est désactivée pour le moment, putain, mais c'est... Et si j'appuie là-dessus? Non, sauvegarder la partie, il veut pas. Hein. On a... Attendez, je re-regarde le dessin. Si des fois j'avais une épiphanie. Bon, on a on a débloqué. En même temps, ça ressemble pas exactement à la même chose. Qu'est-ce qu'on entend? De quoi? Pourquoi? Non, non, tout va bien, y'a personne. Putain, je me chie dessus. Mais non, je veux pas faire ça. On regarde le dessin à nouveau. Regardez bien. On est bien d'accord. Hein. On a débloqué de toute façon les trois pendules, c'est bon, c'est fait. Les trois assiettes, c'est bon. Ça nous fait une espèce de... Le premier, ça fait comme une sorte de cadenas. Comme une fenêtre. Et les deux autres... Si on regarde bien, c'est comme deux fenêtres aussi, mais ouvertes cette fois-ci. Où donc a-t-on vu ça? Moi, je serais tenté de revenir... Alors, évidemment, pas par là. Pas par là non plus. Hein, maintenant on arrête de faire le con, on sait que ça ne mène nulle part. On va repasser par là. On peut pas allumer là. J'ai pas une... Non, j'ai rien. Là on sait que c'est la mort. Hein, si on... Ah non. Oh mon dieu. Ah, j'ai beau y jouer depuis des heures, je me chie dessus toujours. Hein. J'arrive pas à me faire cette ambiance. Alors là, c'est un des endroits du jeu le plus accueillant, on va dire. C'est vous dire la qualité. Hein. Là, bon, les tableaux de Carla Labruni, toujours. La photo de famille, tiens, on l'a jamais vraiment bien regardé.
Et ben, belle brochette. Une belle brochette de premier de la classe. Ok. Là, ça s'est réteint. Hein. On est d'accord. On va rallumer. Voilà. Donc, du coup, on peut réteindre le briquet. Mon dieu. On a ouvert quelque chose, mais où? Moi, j'aurais pensé que ça aurait été ces portes-là, vous voyez. Je m'étais dit, tiens, ça aurait fait sauter une des portes cadenassées. Mais pas du tout. Je pense qu'il faut qu'on... J'ai peur de regarder le dessin à nouveau ici, puis qu'il se passe quelque chose, mais... Je crois... Normalement, je devrais avoir une révélation. C'est une... Ça ressemble à un cadenas, mais non, c'est une porte. Et après, c'est ouvert. J'ai pas souvenir de... En fait, c'est l'espèce d'arceau. Je vais pas vous le montrer, évidemment. Vous voyez, là ouais, il y a une espèce de fenêtre, une espèce d'arceau. Ça me fait penser à un cadenas, évidemment. Mais bon, c'est pas un cadenas, ce sont des fenêtres. Au fond, qu'on aille quelque part, on va voir, ça va être ouvert. On peut pas avoir un petit coup de flotte, là. Moi, j'ai un peu soif. Juste pour faire joli. Bon, en tout cas, on peut toujours pas sauvegarder, j'imagine. Non, la sauvegarde est désactivée. Donc là, il y a un trigger. Il y a quelque chose à faire. Il y a un truc scripté, là. Tant qu'on l'aura pas déclenché, il va nous emmerder. La grosse lampe dégueu, là. On va l'allumer. Putain. Ça s'allume pas, ça? C'est pas une lampe? Cette vidéo, on n'en a jamais trouvé. Hein. Là, c'est pour aller derrière. Putain, oui, mais j'arrive. On peut se barrer. Oh putain, elle est là en plus. On se casse, on se casse, on se casse. On va trouver, hein. C'est par élimination, on trouve toujours. On a fait pire, hein. Souvenez-vous, hier, hein. Deux heures à trouver qu'on pouvait passer dans le conduit. Hein. Faut pas que je dise ça, sinon ça va décourager ceux qui viennent d'arriver. Non, non, mais c'est un jeu fastidieux, voilà. Ah, il y a peut-être un truc qui m'a échappé. Non, là, tout est resté bien. Peut-être un truc qui m'a... Mais ça a coulé maintenant en dessous. Ça me fait penser au film que j'ai vu hier. Hein. Je vous recommande Relique. Ça se passe dans une maison. C'est le premier film d'une nana là. Très surpris d'ailleurs que ça soit son premier film parce qu'il était vraiment très bon. Putain, voilà, on peut ouvrir les fenêtres. Ça sert à quoi de faire ça? Aérer un peu. Ça sent le vieux, c'est ça? Putain. En même temps, j'adore. Hein. Pas vous mentir. Si je tourne ça, la porte est verrouillée sur place. Il y a une porte? Là, pareil. La porte est verrouillée sur place. Voilà, il me donne des indices sans que j'en ai demandé. La porte est verrouillée sur place. La porte est déverrouillée sur place. Non, ça a déverrouillé quelque chose, mais je ne sais pas où. Je pense que de toute façon, ça va se trouver à l'autre bout d'où je me trouve. C'est toujours pareil. Donc, faut qu'on se casse. On va se casser. On va revenir.
On va repasser par là. J'aime bien passer par là. Je sais que vous appréciez quand je passe par là aussi. Pardon pour le micro. On a déverrouillé quelque chose à l'autre bout. Alors quoi ? Peut-être cette porte. Ce serait pas... Non. Ah, c'est un jeu... C'est pas The Witness, mais... Witness, j'ai passé des heures. Alors le The Witness, c'est pas le jeu à streamer, hein. Je le dis tout de suite. Là, c'était quoi déjà? Non, mais j'en viens. Bon con. Pas allumé ici. Toujours. Rien. Ah, une bougie. Très très fan. Très friand des bougies. Là, c'est quoi? Donc on a deux portes ici, hein, vous voyez, qui ne mènent nulle part. Là il y a encore une bougie. Ouais, mais en poule, on s'en fout. Voilà. Vous pouvez la mettre là, ça m'arrangerait. Putain. Putain, mais... Il est gentil, mais... gentil quoi. On s'amuse un petit peu quoi. On prépare le terrain. Voilà. Voilà, comme ça on a une autre. Ça, la bouteille de ketchup. J'ai jamais compris à quoi pouvait servir. Qu'est-ce qu'on a pu déverrouiller? Allumer là. Ça fait longtemps qu'on est venu là. Là, on pourrait mettre une bougie. On va essayer de l'allumer vite fait. Putain, on a réussi. Bonne fois. On arrive à faire un truc rapide. On va se reprendre la médoc. Non, c'est toujours condamné. Bon, c'est quand même plus agréable quand c'est allumé, hein. Ah, on a cet objet là, hein, qui est nouveau. On va peut-être ouvrir la trappe. Non, il y a l'échelle là. On peut toujours pas sauvegarder. Ah si, sauvegarde en cours. Bon, ça c'est une bonne nouvelle.
Vous ne pouvez pas l'utiliser ici. Ça c'est réglé. On va aller voir l'échelle. Ce qui est bien, c'est qu'on a une sauvegarde. Au moins... Elle est où l'échelle? Merde, j'ai bien vu une échelle il y a deux secondes. Ah, c'était quoi déjà? Non, ça on a fait. D'ailleurs on ferme. Plus besoin. Ah voilà notre casier de putain de merde. Vous ne pouvez pas placer. Vous ne pouvez pas placer cet objet. Putain mais tu vas me faire chier longtemps. En plus il sait, je l'ai. Ok, je prends ça. Attention, vous briquez presque vide. Ben oui, mais bon. Ah oh, putain, le briquet est inutilisable maintenant. Bravo. Avec ce piocher là, ce pied de biche, pardon. Ce piocher. Avec le pied de biche, on peut peut-être ouvrir quand même la trappe. Hein? On peut tenter. C'était où déjà? Ah, l'échelle elle est là. Allez, on tente. Avec le pied de biche. Ça, c'est un des derniers objets qu'on a eu. Mais il me dit que j'ai. Putain, il y a un briquet là. C'est fou. Tout à l'heure, on a essayé, on ne l'avait pas. Et maintenant, on l'a et on. Donc là, c'est ici. Hein. Attends, mais je suis pas dingo quand même. Enfin, tout à l'heure, on l'avait pas le ce. Quand on en a deux. Ça. Vous ne pouvez avoir en main qu'un seul objet nécessitant deux mains. Bravo. Vous ne pouvez pas placer un objet nécessitant deux mains. Regardez. Non, y a rien à faire ici. Qu'est-ce qu'on a ouvert, bordel? Pardon, hein, je suis un petit peu vulgaire. Qu'est-ce qu'on a pu ouvrir? Ah oui, on avait dit l'échelle. L'échelle, elle est là. Là, on a placé une bougie. Ah oui, il y avait un truc que j'avais vu sur la VOD. Interagir. Il y a de la peinture fraîche sur le mur. Essayez d'enfoncer le mur. Bien sûr. J'avais vu ça sur la VOD que... Vraiment... Ah putain. Alors, imaginez ça. Comment... Si je m'en étais pas souvenu. C'est en regardant la VOD hier, pour regarder le son, en la visionnant, que j'ai vu que quand je suis passé devant le mur... Il y avait possibilité de faire quelque chose. Et là, véritablement, si j'avais pas vu la VOD, c'est un truc qui m'était complètement échappé. Hein. Bon, tant mieux, hein, ça tombe pile poil comme. Pile poil au bon moment. Mais ça se trouve, ça va être fermé, tu vois. Ok. Il y a un flingue.
C'est le début du jeu, ça, hein. C'est quand il flingue. Quelqu'un flingue toute la famille. Ouais. Sauvegarde en cours. Le jeu est beau. Hein. Pointez l'arme vers votre tête. Mein Gott. Bah, allons-y. Oula. Une espèce de dimension parallèle maintenant qu'on est crevé. Alors voilà, ça, ça a été ouvert. Les fenêtres étaient ouvertes. Les tableaux sont bien mis. On me dit pas qu'on recommence depuis le début là, non. C'est dans cette pièce là qu'on recommence le jeu? Non, même pas. Ça a servi à quoi de que je me flingue? Non, puis il a gardé tout en mémoire de ce que j'ai fait. Qu'est-ce que... Fatalement, c'est ça, mais alors... Ouais, il nous a montré le dernier truc. Et les fenêtres. Elles sont juste là, hein. Ok. Il y a un truc spécial à faire. Ah, il y en a une qui doit être fermée, peut-être. Eh oui. La porte est verrouillée sur place. C'est bon, on a fait les trois trucs. Il y avait une fenêtre qui devait être fermée. Oh, quel éclair de génie je viens d'avoir. Là, on entend le bébé qui chiale. Eh oui. Il y a une fenêtre qui est fermée et les deux autres sont ouvertes. C'était ça. C'était ça l'énigme. Maintenant, on a ouvert quelque chose. On peut plus sortir. Qu'est-ce qu'on doit faire là? Je me suis repris un cachet. Hein. Oula! C'est que des. Il faut un objet de main pour accomplir cette mission. Mais
Comment je lâche? Non, je vais pas lâcher le briquet. Je vais pas lâcher ça. Tiens, l'ampoule, très bien. On s'en fout de l'ampoule. Ah, il faut mes deux mains, pardon. On a un baby, je sais pas quoi. L'utiliser. Ah, donnez-moi mon bébé, c'est peut-être ça qu'elle veut, la vieille. Sortir maintenant? Oui. Pitbiche est maintenant placé dans la pièce de stockage. Ok. Donnez-moi mon bébé, elle est là. Hein. Elle est là, la vieille. Non, c'est pas celle-là. Là, c'est la pièce d'où on vient. On est d'accord. Ça sert à rien d'aller là. Les deux escaliers se ressemblent, alors c'est pas évident. Ah, c'est là. Allez, tiens, ton bébé, donnez-moi ton bébé. Bring me my child. Il est là, ton bébé. Il a de la race. On a retrouvé le môme. Ah, ça nous aide à le retrouver. Attendez, je le coupe. Petit sprint, hein? On avance, hein, mine de rien. Bon, tout est allumé, ça c'est bien. Il est où le bébé? L'allumer là. Ah mon Dieu. Ça, on sait que c'est, ça nous mène là. Je vais l'ouvrir complètement pour qu'on se souvienne. Non mais en fait. Là,
C'est pas le... Oh, on n'est pas au bon endroit. Mon inventaire dynamique est plein, oui, c'est... Par contre, les ampoules, franchement, ça m'a jamais servi. Hein. Voilà. Et on peut quand même changer. On peut prendre un... Ok, bon. Oui, mais bon. Tout est allumé, là. C'est bon. On n'a pas peur. Du coup... Ah, on pourrait... Là, c'était quoi, déjà? C'était... La fenêtre, hein. On pourrait aussi réessayer de retourner dehors. Peut-être que le bébé est dehors dans le parc. Ah oui, ça doit être ça. Vous savez, ce parc, il y a les jeux pour enfants. Ah voilà, c'était le bon outil. Putain, j'ai un bol fou. Là j'ai eu un bol fou. Hein. Là on est chanceux là. On va pouvoir prendre. Bah quoi? Ah oui, j'ai eu peur, mais tout ça pour ça. Il vous faut vos deux mains pour accomplir cette action. Non, 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 je veux pas. Je relâche tout. Je peux quand même reprendre le baby là. Je serais d'avis que là on fasse une save. Depuis vite, je suis maintenant placé dans la pièce de stockage. Oui, très bien. Heureusement que j'ai pris le pied de biche. J'ai pas pensé que ça aurait pu me servir pour la fenêtre. J'avais oublié. Bon, après j'aurais pu y penser, évidemment. Évidemment. Non, par contre, cette petite boussole qui tourne tout le temps sur elle-même. On était bloqué hier. Ah oui, là on a pu casser le mur. On a pu casser le mur, on a pu se flinguer. Alors, c'est vrai, c'était rigolo, mais ça pas nous a... ça nous permet de nous téléporter, remarque. Hein. Où se trouve, vous savez, je vais essayer de me remettre le... Oh, c'est cool, ils sont gentils. Je peux quand même reprendre le briquet. Mais j'aimerais bien... Ah non, c'est pas là. Retourner dehors. Je me souviens plus où c'était. Non, non, là c'est d'où on vient. Là aussi, à chaque fois je tourne sur moi-même. C'est Je sais que pour vous c'est très agaçant, mais alors imaginez pour moi. Ah voilà. C'est par là. On va tenter à gauche. Ça a ramé un petit coup. Bon, voilà.
Voilà. Je pense que là. Bon. Le baby machin. Attention, évitez de rester trop longtemps dans l'obscurité. Mais on est dehors. Bien gentil, mais... Et où le bébé? La boussole nous sert à quoi? Là, j'ai l'impression d'avoir tout le matériel pour pouvoir chercher le bébé. Genre... Bon, le bébé il est pas là. Tout à l'heure on l'entendait bien chialer. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un avion. La boussole elle nous indique d'aller par là. On peut y aller maintenant. Avant on pouvait pas. Je fais une sauvegarde. Ah, la sauvegarde désactivée pour le moment. Attends, j'espère que j'en ai fait une il y a pas longtemps. Putain, on peut aller par là maintenant. C'est magnifique, hein. J'ai envie d'aller voir un petit coup. Ça, c'est le côté gamer, hein. Un petit côté Bloodborne là. Oh merde! J'ai fait n'importe quoi. Ah non, ils sont sympas. J'ai cru qu'ils allaient. Ils m'avaient re-téléporté à l'autre bout. Mais non, il n'en était rien. Ah, j'avance tellement pas vite, je crois que j'étais à genoux. Ah, il y a quelque chose ici. Petite fleur. Voilà. Trouver la petite fleur. En fait, quand on se suicide, il nous montrait la dernière énigme. Et à ce moment-là, quand on s'est suicidé... Ah, il y a une sauvegarde. Quand on s'est suicidé, il nous a montré les fenêtres, après les pendules, et ensuite... et les fenêtres. Donc il y avait un qui n'avait pas encore été résolu. Donc le fait de se suicider nous donne des indices sur l'énigme en cours, en fait. De ce que je comprends. Hein. Ah putain, la croix celtique dressée en l'air. C'est magnifique. Magnifique. Ah ça, c'est de la statue qui cogne. C'est ça qu'il devrait construire à Paris. Ça en jetterait, les touristes, ils seraient trop contents. Bon, on va suivre la boussole, hein. C'est pas mal, hein, qu'on puisse aller dehors. Ah non, ma boussole, elle est restée avec moi. Hein. Oui, parce que je le dirai jamais assez. On a on joue sur la version Early Access. Alors forcément, il y a quelques petits bugs. Ah, encore un petit pétale. J'ai l'impression que... Ils sont très croix celtiques ici. Ça me fait plaisir, moi je suis salte. J'ai fait mon test ADN là, il n'y a pas longtemps. J'ai du celte à 70%, du scandinave. Et aussi de l'italien. Mais que de l'européen par contre, j'ai rien d'autre. Donc forcément, en plus je suis normand, donc tout s'explique. Mais l'italien, ça m'a fait plaisir. Le côté viking, je savais que j'avais du sang viking, je suis normand. De 15%, hein, 15% scandinave. Et celte à 70%. Pff, ça commence à faire. Hein. Et latin à, je sais plus,
Ça, t'es dans les 12-15%. Les sardes, pour être plus précis. Oh, pourquoi je vous raconte tout ça? Bah parce qu'il y a des créas celtiques, voilà. Donc ça me fait penser à mes ancêtres. Évidemment. Bon, on a fait le tour là, hein. Si je ne m'abuse. Pas sûr d'avoir bien regardé tout, hein. Pas sûr d'avoir été... C'est un lit de bébé, ça. Ah bah bravo. Une boîte. C'est trop. Pardon, vous avez trouvé un objet en forme de vaisseau spatial. Ah, c'est un objet encore pour le bébé. Il nous en manquera plus que deux. Et la boussole, vous avez vu maintenant? La boussole, maintenant, elle nous indique autre chose. Hein. Elle nous dit d'aller par là. Hein. Je sais pas si c'est grâce à la boussole que j'ai trouvé, parce que en fait j'ai vu la tombe. Ah oui, là carrément la boussole nous dit de nous barrer d'ici. Hein. J'espère qu'on n'a pas loupé des petits pétales. On fait une petite sauvegarde. Hein. On aura bien avancé là, hein, aujourd'hui. Hein. Ah, il nous dit d'aller par là, hein, regardez. Il indique le chemin. Hein. Ah oui, là c'est clair. C'est clair comme de l'or de roche. Je prends mon temps, hein, je... Ah, c'est dommage, un petit bug de texture ici, mais bon. C'est une early access, hein, je suis sûr... Quoi? Non, j'ai eu peur, rien, j'ai buté dans un... Dans un caltar. Alors là, on est arrivé tout en haut. Mais il nous dit d'aller ici. Il y en a encore un autre, un petit pétale. Il est joli celui-ci. C'est même. Ah, oh, c'est histoire de romantiser un peu. Hein, c'est histoire de faire du roleplay. Vous avez pas compris? Allez, décidément, 1h44 de pure découverte. Là par contre la boussole, elle sait plus. Moi non plus. C'est plus là, c'est plus. Allez, on y va en cours. J'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais. Comme ma vie. Ah. Pour un jeu Kickstarter, parce que moi j'ai un de mes amis qui m'a dit que c'était un jeu Kickstarter, c'est quand même drôlement bien fait. Hein. Vraiment, ceux qui l'ont financé, bravo les gars. Sauvegarde en cours. Bon bah très bien. Très très bien. On va se remettre sur Parlotte. On va laisser le son du jeu. Hein? Comme ça. Et on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, c'était parfait, on a fait 1h45, il s'est passé plein de choses, on va garder, je pense, peut-être que la dernière, là c'était la partie 4, je pense que la partie 5, ça sera peut-être la fin, on ne sait pas, j'en doute, parce qu'il y a des moments quand on est coincé, ça peut durer facilement une heure.
Je vais vous laisser sur mon petit générique de fin. Et puis, alors j'ai pas de générique de fin, mais sur une petite musique de fin. Et puis, bah, je vous dis à demain. Alors demain, mettez la cloche, hein, parce que ça peut être très bien 11h, 11h30 ou minuit. Mais bon, je pense que 11h c'est bien. Pas trop tard, ça on a le temps de jouer 2h. Voilà. Et les VOD, enfin tout est inscrit juste ici, là, voilà. YouTube, Instagram, je poste les rediffs. Je vais essayer de couper d'ailleurs. Bon, bah, je vous dis à demain. Allez, on va dire 11h. Ok? Je vous embrasse fort. Bisous. Original sin. However,